à vous. C'était magnifique et quelle belle façon de commencer cette cérémonie. Mesdames, messieurs, chers élèves, bonjour. IMT Minalès est très heureuse de vous accueillir, nouveaux diplômés, parents, anciens élèves, personnels et invités de l'école, à l'occasion de cette cérémonie de remise des diplômes. Mais avant que cette cérémonie ne débute, l'école souhaite rendre hommage à notre cher collègue, à notre ami Sylvie André, récemment disparu. Je laisse la parole à Madame Tria pour cela. Cheville ouvrière des opérations de communication de l'école, Sylvie André a œuvré pendant presque 30 ans à la direction de la communication. Très attachée à l'école, avec un sens du service public et un investissement personnel exceptionnel. Sylvie était le chef d'orchestre de l'organisation logistique de la plupart des événements institutionnels et conviviaux de l'école. Elle s'occupait en particulier de la remise des diplômes depuis de nombreuses années. Sylvie André laisse un grand vide dans l'équipe de communication, dans l'équipe organisatrice de cette cérémonie des diplômes, et plus généralement, dans toute l'école. Sans elle, cette cérémonie n'est pas tout à fait complète. Mais Sylvie, qui était modeste, qui était la modestie et la discrétion même, n'aurait pas aimé que son absence ternisse ce moment qu'elle aimait tant. Alors, nous allons continuer et offrir à sa mémoire une belle cérémonie de diplomation que nous avons souhaité lui dédier. En témoignage de la reconnaissance de l'école à Sylvie, nous allons remettre à sa famille, que je remercie d'avoir accepté d'être présente aujourd'hui, une lampe de mine, symbole de notre école. Je demande à Pascal Altier, compagne de travail de Sylvie, de bien vouloir nous remettre, au nom de toute l'école, à Jean-Luc, son époux, Cédric et Dorian, ses enfants, cette lampe de mine. Merci et merci à Sylvie pour tout ce qu'elle a accompli pour l'école pendant toute sa carrière. Une remise de diplôme, c'est un événement majeur dans la vie d'un établissement de formation. Merci donc au nom de l'école et des diplômés d'être venus aussi nombreux pour partager avec nous ce moment privilégié placé sous la présidence de Madame Léniaud, présidente du directoire d'Enedis. Je signale que cette cérémonie est enregistrée et qu'elle sera mise en ligne prochainement, ce qui vous donnera la possibilité de revoir ultérieurement l'intégralité de cette cérémonie grâce au podcast. Je demande à Madame Léniaud, à Monsieur Rivenc, à Madame Pinquier, à Madame Tria, à Madame Largenton et à Monsieur Boeglin de bien vouloir prendre place sur scène, s'il vous plaît. Dans quelques minutes, les nouveaux diplômés seront appelés nominativement par groupe. Alors, ces nouveaux diplômés sont pour l'instant à quelques mètres de nous. Ils suivent dans une salle d'à côté cette cérémonie en direct. Nous diplômons aujourd'hui 348 ingénieurs. Nous remettons 34 diplômes de master et 17 diplômes de docteur. Nous sommes accueillis aujourd'hui pour la première fois dans ce lieu magnifique, qui est le Cratère Théâtre. Nous avons pu y organiser cette remise des diplômes grâce à l'agglomération d'Alès, qui en est l'administrateur, et grâce au directeur du Cratère Théâtre, Olivier Lataste, qu'ils en soient tous les deux chaleureusement remerciés. J'appelle Christophe Rivenc, président d'Alès Agglomération, pour un mot de bienvenue.
Madame la directrice, ma chère Assia, Madame la présidente d'Enedis, Mesdames, Messieurs les élus, Monsieur le maire d'Alès, principalement, cher Max Roustan, chers parents, chers enseignants, chers membres de cet institut Mines Télécom d'Alès, dont nous sommes très fiers, chers élèves, chers jeunes ingénieurs, peut-on dire maintenant. C'est pour moi, en tant que président d'Alès Agglomération, effectivement propriétaire des murs de ce théâtre, un honneur de vous accueillir aujourd'hui dans ce lieu symbolique, dans ce haut lieu du territoire d'Alès Agglomération. Nous excusons effectivement, comme ça a été dit, Olivier Lataste, le directeur de cette scène nationale qui gère au quotidien avec ses équipes ce magnifique lieu de théâtre, de culture. Et c'est un honneur parce que nous sommes aujourd'hui sur ce territoire à une certaine croisée des chemins. Un territoire qui, au cours des siècles, au cours des nombreuses années qui nous ont précédé ces temps-ci, a connu un certain nombre d'évolutions. Et la présence de l'école des Mines d'Alès, plus de 180 ans, est quelque chose de très important dans la vie de ce territoire. Et assister dans ce lieu de culture, de théâtre, à cette remise des diplômes est quelque chose de très symbolique au moment où l'agglomération attend peut-être dans quelques jours sa désignation comme capitale française de la culture 2024. Nous verrons bien, d'ici quelques jours nous le saurons. Je dis cela cet après-midi devant vous, c'est tout simplement parce que dans cette candidature, nous avons souhaité mettre en avant aussi la science. La science, la culture et la science, et à ce titre, je remercie la directrice de l'IMT, Assia Tria, qui a accompagné cette candidature, qui m'a accompagné à Paris dernièrement pour présenter devant le jury national au ministère le détail de cette candidature. C'est pour nous important. La science est quelque chose sur ce territoire. Max Roustan, depuis près de 30 ans, a mis en place un certain nombre d'équipements sur ce territoire avec le pôle culturel de scientifiques, avec le soutien à l'IMT Mines que nous poursuivons bien sûr. Les moyens de pouvoir à la fois renforcer cette école et aussi faire de ce territoire le sud ingénieux qui est Alès Agglomération, un territoire qui fait référence dans la science. Alors, je m'adresse aux jeunes ingénieurs et à leurs familles. Vous avez passé 3 ans sur ce territoire du sud ingénieux. Beaucoup, voire la totalité, n'en sont pas issus, n'y sont pas nés. Beaucoup sont venus soit par hasard, au nom de l'image exceptionnelle de cette école, soit tout simplement par choix, par volonté, parce que c'était leur premier choix, la réussite de leur concours. En tout état de cause, ces 3 années vous ont sûrement, je l'espère du moins, transmis le virus de ce territoire des Cévennes, transmis la positivité, l'ingéniosité aujourd'hui d'Alès et des Cévennes et d'Alès Agglomération. Et je souhaite que là où vous soyez demain, là où vous êtes aujourd'hui et là où vous irez demain exercer vos talents d'ingénieur, vous vous rappeliez de ce que ce territoire a pu vous apporter en complément, bien sûr, de l'enseignement que vous avez reçu dans votre école. Et donc, je souhaite que, tout simplement, dans les années futures, vous rappeliez que vous avez passé ces 3 ans de votre vie à l'Est et que, peut-être, vous redonniez à ce territoire, à un moment, comme beaucoup l'ont fait, et j'en salue dans la salle, ce que l'école et ce territoire vous a apporté au cours de ces 3 années très importantes de votre vie. Je vous souhaite donc une longue carrière professionnelle, heureuse, brillante, et je souhaite aux familles de pouvoir revenir sur ce beau territoire pour les années prochaines, le découvrir peut-être plus en profondeur, et surtout peut-être venir vivre avec nous des moments de culture très intenses en 2024, si nous étions désignés capitale française de la culture. Bravo, félicitations à toutes et tous, vive Alès, vive Alès Agglomération, et vive bien sûr l'IMT Mines Alès. Je vous remercie. Merci. J'invite Madame Assia Tria, directrice IMT Mines Alès, à prendre la parole. Monsieur le vice-président de la région Occitanie, cher Jalil, monsieur le président d'agglomération, cher Christophe, monsieur le maire d'Alès, cher Max, monsieur le conseiller départemental, cher Jean-Charles, madame la présidente du directoire d'Enedis, chère Marianne,
Madame la présidente de Minalès Alumni, chère Elisabeth, Mesdames et Messieurs, le personnel d'IMT Minalès, Mesdames et Messieurs, les élus, Mesdames et Messieurs, chers parents, chers élèves, chers toutes et tous. Cette cérémonie des diplômes constitue un événement particulier pour moi ce jour. Depuis un an, j'ai le plaisir de non seulement diriger cette vénérable institution qu'est IMT Minalès, mais surtout d'arborer les transformations nécessaires pour répondre aux nouvelles exigences qui vont se présenter à nos élèves au cours des années à venir. L'un des principaux enjeux auxquels vous allez être confrontés est d'être capable de permettre une large mobilité, à la fois internationale, mais aussi professionnelle, intellectuelle et culturelle. Seulement, il ne peut y avoir d'ouverture, de mobilité, sans un ancrage fort préalable. J'engage depuis un an cette transformation d'aller vers une plus grande ouverture, tout en rappelant l'ancrage d'IMT Minalès au sein du bassin alésien. À ce titre, le fait que la cérémonie des diplômes se déroule non plus dans nos locaux, mais au sein de cette magnifique scène nationale du cratère, n'est pas qu'un symbole, mais bien une des manifestations de ce nouvel ancrage de notre école au sein même de la ville d'Alès. Il ne s'agit pas que d'une cérémonie hors les murs, mais bien d'une cérémonie dans nos murs intellectuels et nos murs historiques. Il est bien évidemment plus simple de s'enfermer dans un campus et d'y établir des routines. Mais nous ne manquerions alors à nos obligations pédagogiques et sociétales. La mobilité de nos étudiants se fera par une connaissance pratique des tissus urbains et des bassins économiques et environnementaux. Au cours des mois à venir, nous aurons à mettre en place notre nouvelle stratégie. Quelles que puissent être les craintes possibles des uns et des autres, nous les dépasserons. Nous ne pourrons construire sans penser à l'Alès, sans vivre la communauté d'agglomération, sans inscrire IMT Minalès dans le bassin occitan et bien sûr au-delà. Je tiens donc tout particulièrement à remercier tous nos partenaires, car je sais qu'ils soutiennent ardemment ce projet, ces retrouvailles d'IMT Minalès dans son bassin, pour fonder des dynamiques conjointes. En 2023, nous fêterons les 180 ans de notre institution, mais aussi les 180 ans d'un partenariat entre une école d'ingénieurs prestigieuse et une ville, et entre un établissement international et une dynamique régionale. En ce jour de fête, je devrais me joindre aux louanges de mes prédécesseurs. Je devrais certainement vous féliciter également, vous féliciter pour votre diplôme. Mais un diplôme n'est pas une médaille. Il ne consacre pas les hauts faits de gloire militaire, civique ou humaine. Un diplôme n'est pas un trophée, faisant la démonstration d'un exploit ou d'une quelconque supériorité. Si vous avez réussi aujourd'hui vos examens, c'est que le contrat passé entre nous et vous, à votre entrée, a été respecté. Vous deviez assurer le travail, les enseignants la pédagogie, l'institution les moyens. Je tiens à vous féliciter très chaleureusement, et pas seulement en tant que directrice, mais en tant que femme, citoyenne. Je vous félicite non pas de ce que vous avez fait, mais de ce que vous allez être. Pour cela, vous devez comprendre ce qu'est un diplôme. Il ne sanctionne pas la réussite à un examen. Un diplôme crée ce qu'on appelait au XIXe siècle une prairie, une confrérie. Nous sommes maintenant entre pairs. Vous entrez aujourd'hui dans la grande famille des alumni IMT Minalès. C'est un honneur, mais aussi un devoir, celui d'aider les prochaines générations d'ingénieurs et ingénieurs de notre école. Le diplôme est un pari. Un pari sur ce que vous allez devenir et que nous ne pouvons réellement évaluer aujourd'hui. Vous avez reçu ce diplôme car vos professeurs lisent en vous non pas des gentils et sages ingénieurs et ingénieures, mais ont reconnu un potentiel humain. Le diplôme est la reconnaissance que vous avez en les valeurs humaines et sociales pour mettre en application vos connaissances dans un projet d'avenir, un projet de développement humain, environnemental, et éthique. En vous remettant ce diplôme, je sais que vous allez transformer la cité de demain pour le bien de tous et ainsi d'assurer ce maître mot de bien public. Voilà maintenant les ministres,
c'est-à-dire les serviteurs de nos concitoyens pour les futurs souhaitables. Je vous demande donc d'accrocher votre diplôme, où que vous soyez, de manière bien visible, non pas pour être fier, non pas pour vous rappeler vos années d'étudiant, mais pour vous rappeler l'exigence morale et citoyenne que vous impose ce diplôme. Quand vous le regarderez, l'unique question qui se présentera à vous est « Ai-je suffisamment, selon le bien commun, pour honorer, ai-je suffisamment agi selon le bien commun pour honorer ce diplôme ?» C'est tous les jours, dans chacune de vos actions, que vous honorerez ce diplôme. Il n'est pas votre gloire, mais votre directeur de conscience, le symbole de l'éthique qui va vous conduire. Je vous félicite donc de tout cœur et très chaleureusement d'accepter de porter désormais le poids et l'exigence morale que vous impose d'être diplômé d'IMT Minales. Des félicitations par anticipation, en quelque sorte, sur ce que vous allez devenir. Nous avons confiance en vous. Merci et bravo. Thierry Trouvé, président du conseil d'école d'IMT Minales, aurait vivement souhaité être des nôtres cet après-midi. Mais cela ne lui a pas été possible. Il a toutefois souhaité s'adresser à vous par l'intermédiaire d'une petite vidéo enregistrée hier. Bonjour à toutes et à tous. Pour commencer, je voudrais saluer tout particulièrement votre marraine, Marianne Léniaud, que je connais bien et avec qui nous avons quelques sujets en commun, particulièrement cet hiver, au vu de la situation énergétique du pays. Cette cérémonie a été totalement repensée sous l'impulsion de votre nouvelle directrice, et je sais la formidable mobilisation qu'il y a eu, à la fois pour renouer avec les traditions, pour ouvrir davantage l'école sur l'extérieur, et renforcer encore les liens avec la ville et l'agglomération d'Alès, berceau de l'école. Je voudrais vraiment vous en féliciter collectivement, élèves, personnel de l'école et direction, et vous dire que je regrette d'autant plus, au vu du programme particulièrement alléchant de la cérémonie, de ne pouvoir être des vôtres aujourd'hui. Je profite néanmoins de cette courte vidéo pour vous adresser quelques messages à vous, les jeunes diplômés. D'abord, évidemment, toutes mes félicitations pour votre réussite, c'est de circonstance. Je voudrais vous dire ensuite que cette formation d'excellence dont vous avez bénéficié, ce n'est pas une évidence, parce que ce n'est pas partout pareil. Ce n'est pas pareil pour tout le monde. Ça n'est pas un dû, c'est une véritable chance que vous avez eue. Et cela vous crée une sorte de dette, de devoir, vis-à-vis de l'école qui vous a formé, tout d'abord, au travers par exemple de ce que vous pourrez faire pour elle au sein du réseau d'alumni, ou de votre capacité à prendre demain, dans votre entreprise, des alternants ou des stagiaires. Vis-à-vis du pays, ensuite, les défis auxquels nous sommes confrontés sont nombreux. Et vous êtes les mieux armés pour y apporter des réponses efficaces. Nous avons besoin de votre énergie, de votre capacité à innover, à remettre en question les choses tenues pour acquises, afin de relever ces défis d'aujourd'hui, en particulier la lutte contre le changement climatique et la reconquête d'une souveraineté européenne. Alors allez-y, foncez et prenez-y beaucoup de plaisir, car c'est comme ça que vous serez les meilleurs. Et je vais terminer avec un dernier conseil, plus pratique et personnel, qui m'a beaucoup servi tout au long de ma carrière. Le processus de sélection par lequel vous êtes passé et la formation que vous avez reçue vous rendent en principe aptes à comprendre n'importe quel problème technique pourvu qu'on vous l'explique. Et pourtant, vous verrez que vous serez confronté de temps en temps dans votre carrière à des dossiers ou à des affirmations que vous aurez du mal à comprendre. Dans ces cas-là, ne vous laissez pas démonter ou déstabiliser. Posez des questions pour aller au fond du point peu clair. Que vous soyez expert sur un sujet ou que vous soyez un chef à qui on demande de valider un dossier, souvent, vous vous apercevrez que c'est précisément à cet endroit qu'il y a un problème. Ce que l'on peut résumer par la formule bien connue, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Et on attend de vous de faire justement la chasse au loup. Je vous souhaite une excellente cérémonie de diplomation et beaucoup de succès dans votre vie professionnelle. Pour cette nouvelle cérémonie de remise des diplômes,
C'est une marraine qui officie. Madame Marianne Legnaud, présidente du directoire d'Enedis. IMT Minales est très honorée de votre présence et vous remercie d'avoir bien voulu accepter notre invitation. Madame Legnaud, je vous remets, au nom de l'école, cette lampe de mine, symbole de notre école, et je vous inviterai à prendre la parole. Bonjour à tous et à toutes. Je suis réellement très honorée, très fière d'être la première marraine de cette cérémonie de diplôme dans la longue histoire de votre école qui vient d'être rappelée brièvement. Merci, Madame la Directrice, chère Assia Tria, de me l'avoir proposée. Merci également à Roland Canaillère, président du territoire d'Énergie Gare, et à Aimé Cavaillé, qui est son vice-président, mais qui est surtout professeur dans votre école, de vous avoir suggéré cette idée. Alors, l'entreprise que je dirige, Enedis, qui est le réseau public de distribution d'électricité, et votre école partagent cette même ambition d'être des partenaires clés du développement du territoire, de ce territoire, et de contribuer à construire avec vous, maintenant, un monde plus durable, utilisant le meilleur des technologies du XXIe siècle. L'Institut Mines Télécom n'est pas inconnu à Enedis, puisque une centaine de salariés qui travaillent avec nous sont diplômés d'une des écoles du réseau Mines Télécom, et en particulier une quinzaine précisément de votre école. Je tiens à remercier les administrateurs, les dirigeants, les professeurs pour le maintien de l'excellence d'une institution comme la vôtre, un lieu qui enseigne les connaissances, mais qui transmet aussi les expériences. Chers étudiants, chères étudiantes, ingénieurs, masteriens, doctorants qui êtes diplômés aujourd'hui, je suis vraiment heureuse de partager avec vous cette journée qui est pour vous à la fois un aboutissement et puis aussi le commencement d'une autre période de votre vie. L'aboutissement d'un engagement constant, notamment dans l'apprentissage des enseignements de haut niveau qui vous ont été proposés, mais également l'engagement dans le rayonnement de votre école. À travers la vie étudiante à laquelle vous avez participé, je sais, activement, mais également à travers vos expériences en entreprise réalisées en particulier au cours de votre scolarité et pour certaines à l'international. Vous avez aujourd'hui dans la salle de nombreux entrepreneurs de la vie économique locale qui sont aussi parfois des anciens élèves de votre école. Vous allez incarner partout où vous allez aller les valeurs de votre école, l'audace, l'engagement, le partage et l'excellence. Je crois que vous pouvez vous applaudir pour cette réussite. Alors, une partie de ces applaudissements, elle va, je pense que les diplômés en sont pleinement conscients, aussi à leur famille. La réussite d'un diplômé, c'est aussi la réussite de sa famille, qui très souvent l'a soutenue, l'a encouragée. J'ai moi-même fait une classe préparatoire et une grande école ensuite. Je sais à quel point j'ai pu bénéficier du soutien de mes parents. Aujourd'hui, j'ai moi-même des enfants qui sont soit dans une grande école, soit engagés dans une thèse scientifique. Je sais à quel point ça suppose du soutien, en particulier dans les moments de découragement qui peuvent arriver, ça existe aussi, de l'amour, du partage et des encouragements. Donc bravo aussi à toutes les familles qui sont là cet après-midi avec nous et je vous propose de les applaudir également. Alors chers diplômés, vous êtes, je sais que vous le savez, vous êtes la génération de la transition climatique, énergétique et écologique. Vous allez réaliser la meilleure partie de votre carrière professionnelle, allez, disons, les 30 ans qui viennent, peut-être les 40 ans qui viennent, on ne sait pas, suivant les réformes en cours. Mais tout ça va vous amener à la neutralité carbone de 2050. C'est ça votre horizon professionnel. Je pense que c'est
extrêmement important. C'est vous, jeune ingénieur, qui allez inventer, élaborer, mettre en œuvre de nouvelles solutions technologiques dans les secteurs qui sont aujourd'hui les plus émetteurs de gaz à effet de serre, bien sûr les transports, 30% des émissions, le bâtiment, 20%, ou encore l'industrie et bien sûr l'énergie. Mais vous le savez, l'enjeu n'est pas seulement technologique ni technique. C'est aussi un enjeu de société, de changement presque complet de notre société, dans notre manière de nous déplacer, seul ou à plusieurs, de nous loger, de nous nourrir, de nous chauffer, de consommer les biens et les services que nous jugeons nécessaires à notre confort de vie, voire de redéfinir la notion même de confort de vie. Il s'agit donc de changer le rapport de l'humanité à l'énergie, une énergie jusqu'ici disponible en abondance, à des coûts abordables, notamment le pétrole. Il s'agit de sortir de ces énergies fossiles en inventant de nouveaux récits, de nouveaux repères positifs, collectifs, sur lesquels bâtir une vision globale d'une civilisation qui est aujourd'hui encore si dépendante des hydrocarbures. Ça n'est pas un enjeu seulement français ou européen, c'est un enjeu, vous le savez, mondial, c'est un enjeu aussi d'égalité et d'inclusion. Aujourd'hui, 10% des personnes dans le monde émettent 40% des gaz à effet de serre, tandis que 50% les plus pauvres ne sont responsables que de moins de 15% de ces émissions. Ce sont souvent ces derniers qui sont les plus vulnérables aux impacts climatiques, qui n'ont ni les moyens ni les ressources qui leur permettraient d'arbitrer en faveur d'un lieu de vie plus protégé, plus adapté. C'est pourquoi Enedis, nous préférons parler de transition non pas seulement énergétique, mais écologique, un terme plus global qui embarque aussi la nécessaire solidarité afin que le chemin vers la neutralité carbone ne soit pas celui d'un accroissement des inégalités. Je sais que vous abordez ces défis avec optimisme et enthousiasme. Et quand je vous vois aujourd'hui quitter votre vie étudiante pour entrer dans la vie professionnelle, j'ai totalement confiance qu'à travers les domaines d'excellence, d'enseignement, de votre école, vous embarquez avec vous toutes les expériences, les compétences, l'expertise dont le monde a besoin pour rendre nos activités humaines moins carbonées, plus respectueuses de l'environnement et de la biosphère. Alors nous sommes aussi, merci chère Assia pour cette lampe de mineur, nous sommes la veille de la Sainte-Barbe, patronne des mineurs. Quel métier historique et d'origine de votre école? Je crois que c'est un très beau symbole pour vous, élèves de l'IMT d'Alès, qu'une école qui est née de la première révolution industrielle, celle du charbon, soit aussi celle qui doit mener la révolution qui va permettre à l'humanité de se passer le plus possible des énergies fossiles. Alors la Sainte-Barbe, c'est aussi pour moi l'occasion de saluer le fait que parmi vous, plus de 30% des diplômés sont aujourd'hui des jeunes femmes. Vous connaissez bien sûr la légende de Sainte-Barbe. Elle vivait recluse selon la volonté de son père, de ce dernier, qui après avoir tenté de l'immoler, a fini par lui couper la tête après d'affreux supplices que je ne vais pas détailler, parce qu'elle s'était convertie. Autrement dit, parce qu'elle souhaitait vivre sa propre vie selon son propre choix. Alors bien évidemment, tout ça se passe dans des temps très anciens, au IIIe siècle, dans des contrées très lointaines, en Asie mineure, dans une société patriarcale. Donc il n'y a aucune ressemblance d'aucune sorte avec des situations actuelles pouvant exister. Je pense que cet exemple nous rappelle à quel point nous avons besoin de cette diversité, bien sûr de genre, mais aussi de cette diversité de talents, d'origine, de formation, de point de vue. En particulier, nous avons besoin des jeunes femmes, des jeunes filles, dans les métiers scientifiques, dans les filières techniques. La France veut se réindustrialiser, elle veut reprendre une place forte dans le nucléaire à l'international, elle veut développer l'hydrogène, les énergies décarbonées, les énergies nouvelles, réussir la transition écologique, énergétique dont nous venons de parler, se renforcer dans le digital. Comment pourrait-elle réussir tous ces défis sans la moitié de ses talents ?
J'ai remarqué également par expérience, après plus d'une parce qu'une trentaine d'années maintenant dans le secteur de l'énergie en entreprise, qu'une équipe composée de talents divers est la meilleure manière, en particulier une parité aux femmes, de résoudre des problèmes, en particulier des problèmes complexes. Dans l'entreprise que je dirige, Enedis, nous avons notre métier, le métier d'opérateur de réseau d'électricité, à la fois physique et numérique. Nous avons à résoudre des problèmes toujours plus complexes, le développement massif des énergies renouvelables, intermittentes, l'essor de l'autoconsommation individuelle, mais aussi collective, celui de la mobilité électrique, la mise en œuvre de nouvelles technologies que nous appelons les smart grids. Tout ça nécessite d'avoir un regard ouvert et d'avoir une performance accrue. La part des femmes dans notre entreprise, qui était de 18% il y a 15 ans, c'est une entreprise technique et technologique, est maintenant de près de 30%. Nous poursuivons nos efforts et les femmes représentent 30% de nos comités de direction et 40% de mon comité exécutif. Donc mon message, pardon pour cette special address aux jeunes femmes et aux jeunes filles qui sont dans la salle, c'est de ne jamais vous auto-censurer. Le plafond de verre n'existe pas, avec quelques coups de talon bien placés, ça saute. Donc ne doutez jamais de votre légitimité, vous serez les dirigeants de demain dont les entreprises ont besoin. Mon message, évidemment, il est aussi pour les jeunes femmes et les jeunes hommes qui sont dans la salle et qui peut-être seront parents à leur tour dans quelques années. Je compte sur vous pour encourager vos enfants à faire des études scientifiques, des études d'ingénieurs, des études techniques, mais surtout à viser toujours l'excellence dans ce qu'ils feront. Je sais que l'entourage familial, amical, joue un rôle dans ces parcours. Marie Curie, Sophie Germain témoignent de la capacité des jeunes filles, hier comme aujourd'hui, à accéder à des carrières scientifiques et d'ingénieurs de premier plan. Personnellement, j'ai dans mon bureau un énorme portrait de Marie Curie, jeune, avec des yeux passionnés, des yeux réellement très profonds. C'est un exemple, c'est une femme, c'est une étrangère, c'est une scientifique, une femme deux fois prix Nobel qui a fondé une grande lignée de scientifiques par la suite et depuis toujours, bien que je sois littéraire, son exemple m'inspire. Donc, homme ou femme, cherchez toujours l'excellence, entourez-vous des meilleurs pour réussir. Un mot pour finir sur votre diplôme et ce qu'il représente dans votre future vie professionnelle. Assia l'a rappelé, il vous a donné des bases de compétences extrêmement solides pour exercer un métier d'ingénieur dans des domaines qui vont être extrêmement variés et surtout dont les contextes vont incroyablement évoluer dans les 10, 20 et 30 années qui viennent. Le secteur que je connais le mieux, l'énergie, a connu en quelques années, ces dernières années, des bouleversements absolument conséquents et qui ne sont pas terminés. Vous partez, grâce au travail de vos professeurs, avec une meilleure connaissance du monde et de ses enjeux. Nos économies françaises, européennes, mondiales ont besoin de vos compétences et ne négligez pas, cela a été dit, la dimension internationale de vos carrières. Elle sera de plus en plus présente dans votre vie professionnelle. J'ai le plaisir aussi de présider depuis 6 ans l'association d'alumni de mon école et donc je vous adresse aussi un message d'encouragement à adhérer à votre association d'alumni. Elle est là pour vous aider, pour vous soutenir, mais elle n'existe que par ce que vous en faites. Les études que vous avez suivies ici et votre diplôme vous permettent de poser la première pierre de ce réseau professionnel et il faut l'entretenir. Je finirai simplement mon propos par vous encourager à faire tout ce que vous allez faire avec passion, avec sincérité, ne soyez pas conservateur, faites des choix, j'ose le terme, faites des choix radicaux. L'époque exige des choix radicaux de notre part à tous. Et je voulais évidemment, avant de
de vous laisser à cette grande question, comment allez-vous pouvoir servir le monde du mieux possible. Je voulais de nouveau vous féliciter pour tous et toutes, pour votre réussite dans ce diplôme et remercier de nouveau l'école et le corps professoral qui a rendu cela possible. Donc un grand bravo à tous. Merci. Odile Gauthier, directrice générale de l'Institut Mines-Télécom, retenue par des obligations à Paris, n'a pas pu être parmi nous cet après-midi et vous prie de l'excuser. Je vous propose d'entendre une courte vidéo et avec les quelques mots qu'elle souhaitait adresser à nos jeunes diplômés. Chers diplômés et chers parents et proches, je ne suis pas parmi vous aujourd'hui pour honorer votre réussite, mais je voulais vous dire quelques mots à l'occasion de cette cérémonie qui est pour vous une véritable étape. Vous avez sans doute déjà tous et toutes démarré votre carrière professionnelle. Je suis sûre que l'école et vos années ici sont encore très présentes dans vos mémoires, tant sur le plan des apprentissages que de la vie associative. Et j'espère qu'elles le resteront longtemps. J'espère aussi que vous aurez à cœur de participer à votre tour à la formation des futurs talents en vous investissant dans des enseignements, des propositions de stage, dans l'association des alumni ou toute autre activité en relation avec l'école. Vous faites tous partie de la grande famille de l'Institut Mines-Télécom. Notre raison d'être, ensemble pour imaginer et construire un avenir durable et former ses acteurs, trouvera, je le souhaite, son prolongement dans votre avenir professionnel et votre engagement dans la société. Aujourd'hui est un jour unique pour vous et vos familles, mais aussi pour toutes les équipes qui vous ont accompagnés dans cette formation et cette expérience et se sont investies fortement, je le sais, dans cette réussite collective. Merci à eux. Félicitations à vous toutes et tous, jeunes diplômés. Portez haut et fort les valeurs de l'école, l'audace, l'engagement, le partage et l'excellence. Et surtout, réalisez vos rêves. Bravo et belle cérémonie. C'est également une présidente qui officie à la tête de Minales Alumni, l'amicale des anciens élèves. Madame Elisabeth Pinquier, je vous invite à prendre la parole. Quand j'ai cherché à quoi correspondent 180 secondes qui m'étaient imposées initialement, j'ai trouvé que certains défendaient brillamment 3 ans de thèse en ce laps de temps. Et là, j'ai réalisé que j'avais un énorme challenge de contenu sur ces 180 secondes. J'ai trouvé aussi qu'une étude britannique trouve que c'est un temps long comparé à 1 minute de temps court de pause qui permettrait de doubler la croissance de fibres musculaires. Donc c'est la seule info fitness du jour, mais a priori, donc, entre 1 et 3 minutes, il y a une différence absolument majeure. C'est aussi le palier de décompression à 3 mètres, dit de principe, à la remontée d'une plongée. C'est un temps de pause qui est dit nécessaire. Parfois 3 minutes, par exemple le matin au réveil, ont plutôt un ressenti de 3 secondes. Donc même une dimension scientifique peut donc être vécue différemment, suivant le contexte, suivant notre personnalité aussi, et bien d'autres facteurs. Parfois aussi, ce sera à peine le temps que vous aurez pour prendre une décision. Et en tant qu'ingénieur maintenant diplômé, vous serez amené à en prendre. Mais l'école vous a aussi appris, justement, et vous a formé pour pouvoir les prendre. Quand la seule contrainte donnée est le temps, je me suis questionnée de la place du temps dans vos futures vies d'ingénieur. Quelle pouvait être aussi la perspective que nous, alumni, pouvons vous partager. Le temps sera une dimension dans le prisme de vos choix, tout autant que cela vous sera imposé parfois. Le temps devient une dimension économique et vous aurez autant de choix que de compromis à faire. Que serez-vous prêt à payer, y compris en temps, pour soutenir vos valeurs,
C'est une vraie question, aussi dans un environnement professionnel. On a parlé de transition, de différentes transitions. Les choix et les valeurs que l'on soutient, c'est aussi vraiment une direction de vie. Des dimensions éthiques, sociales, on a parlé de diversité, d'inclusion, les causes environnementales, ont intégré le prisme de choix impactant les stratégies économiques des entreprises. D'autres questionnements aussi sont en cours. La société semble s'éloigner d'un marché du travail focalisé uniquement sur la performance individuelle. Et paradoxalement, on a un individualisme aussi qui est grandissant. Le bien-être personnel, cela veut-il dire se limiter à soi? Vous entrez dans la vie active, dans un contexte économique et géopolitique mouvementé, un marché du travail post-Covid, lui aussi en pleine mutation. Comptez sur vos anciens, ils sont là, prêts à échanger, à vous aider aussi et à partager vos réflexions. Je vous félicite, c'est un beau diplôme et donc bravo de l'avoir obtenu. Je vous souhaite de vivre pleinement. Quelques minutes pour questionner l'existant, quelques minutes pour vous remettre en cause, quelques minutes pour profiter de vos succès, et là, pour en fêter un. Parfois aussi quelques minutes pour vous remettre d'une épreuve et rebondir. Et le réseau d'alumni est un formidable moyen et aide à votre rebond. Et surtout, toutes les secondes pour ne jamais abandonner. Merci. Chers élèves, que va-t-il vous rester de ces années passées à l'ES, de ces années passées ensemble? Un diplôme, bien sûr, on est là pour ça, mais aussi beaucoup de souvenirs, de moments forts. Je laisse la place à Flavie Largenton et Thomas Beuglin, représentant les promotions aujourd'hui diplômées, pour les évoquer. Trois minutes, c'est le temps qu'on nous a donné pour résumer nos 3 ans. C'est très court. Alors, quand on a essayé de rédiger ce discours, il y a une semaine, on a décidé de résumer nos 3 ans en 3 mots. Alors, sans se concerter avec Thomas, on a essayé de résumer notre scolarité en 3 thèmes. Et en fait, ce sont les 3 mêmes thèmes qui sont revenus. Et ainsi, on espère qu'ils vont résonner aussi chez nos camarades. Donc ces thèmes, ce sont l'associatif, le travail collectif, mais également le Covid. Mais dans un premier temps, on tenait quand même à remercier GEM Teminales, l'ensemble des enseignants, l'administration, les différentes entreprises qui nous ont accueillis en alternance et en stage pendant ces 3 ans, et finalement tous ceux qui nous ont permis de repartir aujourd'hui avec ce diplôme d'ingénieur. Alors merci. Mais revenons-en à nos thématiques. On est obligé de vous en parler, les conditions particulières de ces 3 dernières années nous ont offert le magnifique surnom de promo Covid. Alors, cette crise sanitaire a chamboulé notre vie étudiante. Des événements annulés, un voyage remplacé par un rapport DPPA, les alternants comprendront mieux, et une plus grande difficulté à côtoyer et intégrer les élèves des promotions suivantes. Mais heureusement pour ça, on avait la vie associative. Tous les élèves ici le savent, elle était au cœur de nos journées et de nos nuits. L'école nous fournit certes la théorie, et les applications pratiques au travers de l'alternance et des différents stages. Mais finalement, c'est dans l'associatif que les différents étudiants ont pu montrer leur engagement sur des thèmes forts qui les importent vraiment. C'est là qu'on a fait nos premières erreurs, et c'est là qu'on apprend le plus vite. Demandez au président combien de réunions ils ont dû manager pour avoir l'assurance qu'ils ont aujourd'hui. Demandez aux équipes de sport et aux bureaux combien de temps il leur a fallu pour développer une communication active entre tous les membres. Ces compétences nécessaires, essentielles, viennent compléter un savoir plus technique qui nous est enseigné à l'école. Personnellement, j'en retire beaucoup de confiance en moi et aussi des compétences en communication qui n'ont pas cessé de me servir depuis la fin de mon mandat. Alors bien sûr, la liste des associations et des sports est tellement longue, il nous faudrait bien plus de 3 minutes pour en faire l'éloge. On tenait à remercier tous les Émaïens qui se sont investis corps et âme pour faire vivre tant d'événements pendant ces 3 ans. Merci à vous. Après ces années, on garde aussi un fort ressenti d'esprit d'équipe, que ce soit à l'école, dans les sports ou dans les différentes associations.
C'est simple, sans ce travail d'équipe, moi je ne serais pas là parce que j'aurais raté les partiels de maths. Alors j'aimerais remercier mes petits potes, parce qu'ils auraient tous pu jouer la carte du chacun pour soi, du moi je veux réussir. Mais au fur et à mesure, on a vu une réelle entraide et une envie de réussite collective. Quand on y pense, c'est dingue ce qu'il est possible d'accomplir pour un groupe d'étudiants qui avancent dans la même direction. On a vu des groupes entiers se battre pour la réalisation de leurs événements malgré les doutes engendrés par les conditions sanitaires. Excusez-moi, c'est le stress. Je pense notamment aux membres des différents bureaux, que ce soit le BDE, le BDS, le BDA, aux associations comme le Cartel, la Meufol, le Gala, Orlandini et bien d'autres, mais également aux sportifs toujours prêts pour représenter fièrement nos couleurs. Que l'événement ait lieu ou pas, je pense qu'on ressort tous grandis et très fiers d'avoir au moins essayé de réaliser l'inimaginable. En tout cas, avec Flavie, on est extrêmement fiers de représenter cette promo. Cette promo qui, pour nous, a su s'organiser pour partager des moments conviviaux, mais tout en gardant en tête la sécurité de chacun. Nous avons fait preuve de responsabilité et d'engagement, et c'est pour nous des qualités essentielles des futurs ingénieurs qu'on est sur le point de devenir. Alors les 3 minutes touchent à leur terme, on a peut-être un peu dépassé, vous nous excuserez. Je finirai par vous dire que je ne m'en fais pas pour vous qui êtes diplômés aujourd'hui. Après avoir traversé ces 3 ans à vos côtés, j'ai confiance en votre réussite. Mais avant de tous commencer un nouveau chapitre de nos vies, on tenait à vous remercier pour ce bout de chemin qu'on a fait ensemble. Alors, alternant, généraliste, ma chère promo, il est temps de passer des abysses à la lumière. De tourner cette belle page, qui était l'école d'ingénieurs. Mais ne t'en fais pas. Promis. Le plus beau reste à venir. Merci. Merci. Une cérémonie de remise des diplômes, c'est un moment solennel, avec des discours. C'est aussi un moment festif. Et c'est pourquoi nous avons agrémenté cette cérémonie d'intermèdes musicaux. Alors, ils ont tous les intermèdes que nous allons vous proposer, les intermèdes artistiques que nous allons vous proposer, ils ont tous la particularité d'avoir été entièrement proposés et réalisés par des élèves et du personnel de l'école. Et vous allez constater qu'ils ont bien du talent. L'intermède qui arrive maintenant présente une particularité que je laisse à notre directrice, Madame Tria, le soin de vous expliquer. Comme l'a dit notre cher président d'Alès Agglomération, Alès Capitale de la Culture 2024, c'est un projet auquel l'école est associée. Nous y croyons tous et nous avons porté haut et fier les couleurs d'Alès le 23 novembre dernier au ministère de la Culture pour le grand oral de sélection finale dont nous attendons désormais les résultats. Pour marquer notre soutien et notre attachement à ce projet, nous vous proposons une petite animation élaborée par Ingrid Bazin sur une chorégraphie de Lisa Ruscassier sur la chanson « En avant » créée tout spécialement par le chanteur alésien Charlie Boisseau pour cette candidature. Charlie Boisseau, qui nous fait le grand plaisir de partager aujourd'hui ce moment avec vous et de nous interpréter sa chanson sur scène avec des choristes, des danseurs et un danseur d'exception. Bonjour à tous et à toutes. C'est un grand, grand honneur de pouvoir venir chanter dans cette salle mythique d'Alès et surtout pour une si belle occasion. Donc, par contre, c'est bien trop calme. Il va vraiment falloir s'ambiancer parce que normalement, aujourd'hui, il me semble que c'est la fête, non? Non, c'est la fête ou pas aujourd'hui? Bon, alors, comme c'est la fête, on va vous demander de tous et toutes vous lever ici. Et pour les diplômés, allez tout le monde debout. On va vous faire danser, les amis. Eh oui. Danser, chanter, taper des... Même les plus feignants d'entre vous ne vont pas y couper. Et ceux qui ne peuvent vraiment pas, eh bien, vous nous accompagnerez sur la chanson
et vous taperez des mains. Voilà, donc soit on danse, soit on tape des mains, soit même on peut chanter avec moi, c'est pas du tout compliqué. On est bon ? Alors, allez, c'est parti. D'abord, je vais vous montrer le pas de base. Okay ? Moi, je vais commencer avec Tara et Monsieur Rivinck avec notre bras droit. Vous, vous allez faire l'inverse, vous allez commencer avec votre bras gauche, parce que sinon vous risquez d'être un peu perturbé par nos pas. D'accord ? Donc, premier pas, bras, okay, l'autre bras, et vous faites un tout petit balancé comme ça. Voilà. Oh, je sens que ça va dans tous les sens. Alors, on recommence. J'ai ça dit. Ça commence à rentrer, c'est magnifique. Vous, les bras gauche, moi, c'est le droit. Alors, on est parti. Et 1, 2, 3, 4. C'est bien. Maintenant, on va secouer le haut du corps. Donc, vous allez aller vers la gauche, et Tara et moi, ainsi que M. Rivinck, on va aller vers la droite. Et 1, 2, 3, 4. Et ça, on va le faire deux fois. Ensuite, lorsque nous allons avancer sur scène, vous ne pouvez pas avancer, hein, sinon on va aller à l'hôpital. Vous allez faire des pas sur place, et nous, on va avancer. 1, 2, et vous allez faire ça. OK ? Ensuite, 1, 2, 1, 2. Ça marche, c'est clair ? Et ensuite, on tape des mains. 1, 2, 3, 4. Et ensuite, on se regroupe ici. Et hop, pour vous. C'est clair ? Et ça, on le refait. Allez, je sais que vous allez mettre le feu à cette pièce. Cette chanson a été écrite pour Calès, enfin, en tout cas, pour accompagner la candidature de la ville d'Alès. Pour devenir tout simplement la capitale française de la culture de l'année 2024, si je ne dis pas de bêtises. Donc, les résultats, c'est pour la semaine prochaine ou d'ici 15 jours. On croise les doigts et puis je crois que c'est ici et aujourd'hui que tout ça va se jouer. En fait. C'est votre énergie et votre body power qui va nous faire gagner. Bon, allez, c'est parti. On peut envoyer la musique. C'est parti et c'est pour nos diplômés. Tout le monde, et les diplômés aussi, hein, vous faites hein, de l'autre côté. Hein, vous nous voyez. On compte sur vous. Allez, viens, je t'invite dans ma capitale. On y cultive des arts si variés. Ici, le cratère a la voix de cristal, résonnant même les jours fériés. Allez, viens, je t'invite dans ma capitale. Laisse-toi guider ces mécaniques. Du pinceau au guidon, du volant au micro. Pas de panique. En avant, en avant, en avant, en avant. Toujours plus de créativité. En avant, en avant, en avant, en avant. Pas de limite aux possibilités. En avant, en avant, en avant, en avant. Toujours plus de créativité. En avant, en avant, en avant, en avant. Pas de limite aux possibilités. Je t'invite dans ma capitale, on y cultive des arts si variés. Ici, le talent n'est pas ornemental, et les idées sont travaillées. Chez nous, les fous chantent à tue-tête, on regarde les étoiles même s'il fait pas nuit. Allez, on aime y faire la fête, ouais. Viens chez nous si tu as peur de l'ennui. Chez nous, les fous chantent à tue-tête, on regarde les étoiles même s'il fait pas nuit. Allez, on aime y faire la fête, ouais. Viens chez nous si tu as peur de l'ennui. En avant, en avant, en avant, en avant. La finale, on l'a bien méritée. Allez, viens, en avant, en avant, en avant. Y'a qu'un pas jusqu'à la remporter. En avant, en avant, en avant, en avant. Toujours plus de créativité. En avant, en avant, en avant, en avant. Pas de limite aux possibilités. En avant, en avant, en avant, en avant. Toujours plus de créativité. En avant, en avant, en avant, en avant. Pas de limite aux possibilités. Pas de limite, ouais. Il me semble que c'était très, 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 très bien. Bravo, merci beaucoup. Si avec ça on ne gagne pas, en tout cas merci beaucoup, merci pour l'implication, merci pour ce grand moment, c'était merveilleux. Et puis surtout félicitations à tous ces jeunes diplômés qui tiennent entre leurs mains notre futur.
Belle journée à vous et bonne fête. Merci beaucoup et merci Monsieur le Président pour votre implication aussi dans la chorégraphie. Pour remettre les diplômes d'ingénieur, je demande à Michel Ferlu, directeur des études, et à Rémi Rogaki, directeur des formations par apprentissage, de bien vouloir me succéder à ce pupitre. Bonjour. Moi, quand on me parle de créativité, ça me parle, ça me va bien. Tu peux me régler le micro, Rémi ? Merci, super. On fait toujours en duo, nous, de toute manière. Bien, bonjour à toutes et à tous. Avant d'appeler les diplômés, parce que c'est quand même, il faut passer jusque-là, j'ai quelques mots à leur dire et à vous dire aussi. Si j'avais à faire une carte mentale, toujours dans la créativité, de cet instant, je mentionnerai les mots suivants. Fête, réussite, opportunité, construire, félicitations, avenir, formation bien sûr, diplôme, responsabilité, engagement, reconnaissance et plaisir. Les jeunes diplômés vont avoir la formidable opportunité de construire leur avenir, de choisir ce qu'ils veulent faire. Et ça, c'est vraiment pas à la portée de tout le monde. C'est une chance. Je crois que le mot chance a été dit aussi ce matin, cet après-midi. Ils vont également avoir l'opportunité et la responsabilité de contribuer à construire le monde de demain. Un monde qui devra davantage intégrer, et ça a été dit, les dimensions environnementales et sociétales aussi. La formation qu'ils ont reçue, leur engagement, va sûrement leur permettre de le faire. Pour cela, j'attends d'eux qu'ils fassent preuve de créativité, qu'ils n'hésitent pas à remettre en cause les modèles, comme je dis souvent, à renverser la table. Nous sommes là aujourd'hui pour fêter la réussite de nos élèves, mais pas seulement celle des élèves. Ils y ont mis de l'intelligence, de l'énergie. Cela n'a pas été simple, surtout la promo Covid. Bravo à eux, ils peuvent être fiers. Leur réussite, ils le doivent aussi, et ça a été dit, à leurs proches qui les ont soutenus. Vous pouvez être fiers de leur réussite. Maintenant, je voudrais adresser mes félicitations et remerciements aussi à tout le personnel de l'école, les anciens chercheurs, les personnels administratifs, les personnels techniques, la direction de l'école, qui sont les acteurs engagés de la réussite des élèves. Quelles que soient les circonstances, et on l'a vu la période Covid, nous nous mobilisons pour nos élèves. Je voulais finir en disant à nos élèves que j'espère qu'ils vont prendre du plaisir dans tout ce qu'ils vont entreprendre. Et je voulais faire un dernier clin d'œil sur la créativité par une citation d'Albert Einstein. La créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse. Ben, j'espère qu'ils vont bien s'amuser. Merci. Bien, on va commencer par le département éco-conception, matériaux et procédés. Oui. Ils arrivent. C'est parti, on va donner les noms des diplômés. Cyriel Blanc, Valentine Boulet, Ryan G. Carigno, Salma Daoufa, Juliette Drouard, Alouena Erlidou, Flavie Largenton, Julie Le Fur, Lucie Le Nouvel, Chloé Le Goupil, Mehdi Marab, il y a des... Oui, alors Théo Marin, Valentin Page, Paul Patalagouiti, je me suis entraîné, Clarisse Rocher, Sarah Sabri, Marie Sané. Bon, tous n'ont pas pu être là aujourd'hui. On va quand même les citer et les mettre à l'honneur. Bianca Dacruz, Chioseta, Lucien Gutt, Colin Raoul, Xenia Vetochina. Bravo à eux. La
La photo, s'il vous plaît. La photo de groupe. Avancez-vous un petit peu. Avancez-vous un petit peu pour la photo. Notre photographe, je ne le vois pas. Il est là, ok. Alors, les ont accompagnés, la responsable du département, Anne-Sophie Caro-Bretel. Bravo, Anne-Sophie. Et Lydie Baroni, l'assistante du département. On peut les féliciter. Beau boulot à toutes les deux. La photo est faite. OK. Et le major ou la major est... Théo Marin. Allez Rémi. Donc une attention pour le major. C'est bon, ben, je vous remercie. On va passer maintenant à l'autre département. Bravo, encore bravo. Allez, j'appelle maintenant le département 2IA avec Sylvie Ramvez et Corinne Vincent. Donc Sylvie est la responsable du département et Corinne est l'assistante. Et j'appellerai aussi Thomas Lamoulet avec. Ça envoie l'orchestre. Hein. Ok, la liste, voilà. Oudjan Abchir, Yassine Aboutayeb, Nisrin Azmi, il y a des supporters dans la salle, Camille Benoît, Victor Charpentier, Saad Chibi, Étienne Krupel, Pauline Cusin, Hicham Damou, Olivier Dess, Thibaut Duc d'Ugène, Thomas Yoss, ah là aussi il y a des supporters, Ala Edine Joudari, Elodie Labbé, Emma Lacaille, Willy Lutz, au premier rang des supporters, Anissa Mabed, Yacine Mamdou, Rémi Prévost, Julien Pruvot, Charlotte Kellec, Quentin Sens, Mathieu Singh. Ils ne sont pas tous là aujourd'hui, même si quand même il y en a pas mal, Sylvie, qui sont venus. Ok. Tsuri Andriana Solo. Eh ouais, le boulot directeur des études, c'est pas facile. Kuo Chen, Pierre Kouai, Quentin Dupuis, Yovli Duchavni, il y en a encore derrière. Maël Antoine Nianou, Marie Léniaud, Basile Longo, Kiran McNamara, Rémi Nahon et Hugo Roche. Bravo à eux. Avancez-vous pour la photo. Avancez-vous. C'est bon. Alors, major ou majoreux. Et le major de promo est... Hicham Damou. Il est où, Hicham? Bravo. Bravo. Ok, super. Allez, merci à vous. Bravo.
On va passer maintenant à l'autre département, le département 2ER, environnement, énergie, risque. Et j'appelle Cathy Balieu et Sandrine Bail. Et Miguel López-Ferber aussi qui est avec nous. Ok, allons-y pour égrener les noms de ce département. Emma Baraban, Elsa Berthomé, Louis Charles, Héloïse Collin, Arnaud Coutantin. Oh là 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 là, il y a de la concurrence dans la salle. Edith Crémez, Claire Desoubry, Émilie Dubois, Célia Fasquel, timide, Emma-Louise Fassonne, Eliette Fréchet, Léo Guérard, Mélodie Goubin, Florian Lebouélec, Victorien Lebourdoulou, ah, il faut être rapide les supporters, hein. Mathilde Medjès, Colline Michaud, Aurélien Mirbeau, Théo Robic, Jean-Philippe Rousse-Guisto-Pouzinck, allez donc, Gwendoline Saxe, Mathilde Suto, Léa Tracol, Boutania Zazouli, certains qui n'ont pas pu être là, ou certaines, Madesa Abel, Léo Alvino, Laurie Badeau, Pierre Collet, Julien Dolaïs, et c'est pas fini, Harold Doué, Emmanuel Du, Jessica Duarte, Emmanuel Farah Kadouno, Emmanuel Piedefer et Gabriel Taffard. Bravo à eux. Allez, la photo. C'est bon, monsieur le photographe ? Super, on y est. Alors, et le suspense est maintenant. Et la majore de promo est... Léa Tracol. Bravo, Léa. Super. Bien. Allez, je vous invite à quitter la scène maintenant. Je vais passer la parole à Rémi qui va annoncer l'intermède musical. Bien. Donc, un petit intermède musical pour amener un peu de musique dans toutes ces listes de noms que nous avons plaisir à prononcer, mais qu'il faut agrémenter de pause. Donc nous proposons la musique Terré, interprétée par Sabrina Loughlin. Ce morceau parle de la légende de Tahiti Nuit, dans laquelle Terré, une jeune femme de la famille royale, désobéit aux dieux et cause la séparation d'une île en deux îles. Spectacle. Fa'a o re roa,
Je n'ai pas cette souplesse. Alors, on va continuer l'appel de nos diplômés. On va passer au département Isère. J'appelle donc François Manet, accompagné de ses élèves, département Isère. Venez un peu vers moi. Bien. Le surnom de ce département, c'est les Casse-Cailloux. Alors, allez, on va appeler les différents diplômés de cette promotion. Tristan Baudier. Mohameden Salem Bedi. Romain Braïc. Wow. Maxence Buon. Guillaume Chapelet. Célie Deiss. Théophile Dupuis, Mohamed Ebina, Margot Esposito, Samuel Frétard, Kylian Guichon, Alix Larcher, Quentin Petitot, Gabriel Pinjon, Marius Quétier, Kylian Rioux, Inès Zmerli, et quelques absents. Adéraman Advaga, Maïven Bouté, Thomas
Calbrix, Alexandre Fuentes et d'autres, Alexandre Godard, Ryan Ragg, Zedan Sidijaevar, je m'applique, Tristan Vuyoz, Eman Zagawi. Bravo à eux. Resserrez-vous un petit peu pour la photo et avancez. François, avancez un petit peu pour la photo, resserrez-vous. Voilà. C'est bon, Gilles ? Ok. Et le major est... Alexandre Godard. Il n'est pas là. Eh bien, il n'est pas là. Tu lui remettras, François. Merci, François, qui est un ancien élève aussi. On lui remet aussi la lampe de mineur du major. Bien, ben merci. Merci, le département Isère. Bon vent, bonne réussite. On va passer maintenant à l'autre département. On va les laisser sortir. J'appelle maintenant le département Prisme avec Jean-Samuel Viennin, donc performance industrielle et système mécatronique. Il me vient une idée. Je pense, Didier, je pense que ce jingle, on va le mettre sur les radios réveil de tous les élèves pour qu'ils arrivent à l'heure le matin en cours. Bien, parce que ça réveille. Ok, pour le département Prisme, alors, ben c'est Pierre Couturier qui est là. Ah, c'est ça, il est là, super. Et on va égrener les noms. Donc Clémence Beau, Pauline Boivin, Nils Brottier, Kaoutar Elati, Marouane Ifra, Théo Gerzinski, Dounia Kiati, Bastien Le Breton, Paul Liégeois, Octave Massé, Lucas Mariacourt, j'ai été sûr, Corentin Métron, Gaël Moulin d'Alençon, pardon, bah ouais, mais il n'y a pas de CDI, Antoine Néré, Dorian Noël, Vincent Paty, Paul Pontoiseau, Théo Raimondo, Axel Rambert, Fanny Robelin, Saoula Sefiani, Julio Solaz, Natacha Virieux, Yassir Zerif, Wenjing Zhang et quelques absents et absentes. Koji, ah voilà. Ouais, c'est facile pour vous. Ouais. Koji, Adria, Maheri, Ran, Jalaï, Flore, ouais, un peu la. C'est lui que vous applaudissez ou moi? Alors, Florian Andria Miadja, Samy Boukari, Guillaume Fontaine, Omar Idrissi, Alexis Jean, Pauline Jouré, Mohamed Katri, Victor Lasserre, Guillaume Laurent, Yann Maheu, Grégoire Pro, Hugo, Ré Messado et Serena Hung. Bravo! Bravo à tous et à tous. Et le major. Et la major est Serena Hung. Bravo. Elle n'est pas là. Pierre, tu as la lourde charge de lui faire passer la lampe. Ok. Merci le département et bon vent. Ouais, allez-y. Bravo. Super. Ah ben Jean-Samuel, t'étais au fond, je te voyais pas, dis donc. Ok. Ils n'ont pas fait ta photo? Revenez. Revenez, oui, vas-y. Oui. C'est bon? Ben oui, la photo a été faite, qu'est-ce que vous me racontez là?
Voilà. Bien, on va passer maintenant à l'autre département. Là, ils me font tourner en bourrique. Allez, j'appelle maintenant le département GCBD avec Thibaut Marchi. C'est parti. Allez, les diplômés du département GCBD, Maha Abou Abdila, Karim Aderab, Laïla Aïtamouche, ah, il y a les supporters, Zakaria Beraou, Siri Bezelga, pardon, Emma Bordenav, Julie Bourque, Thibaut Bowen Skires, Johan Buquet, Youssef Bulaya, Tim Chabalier, ah, il y a des supporters aussi là, Selma Chada, Margot Schell, Camille Couder, Dorian De Police, Jade Faugeron, Dimitri Gandin, Sidi Mohamed Gali, Julien Gouin, Farès et Didi, Antoine Herbelin, Iban Idiar, Camille Jacquemet, Florian Junca, Romane Klein, Youssef Krayem, Camille Nours, Paul Lemonnier, ouais. Léo Lilac, Théo Marolo, Carvel Minchliev, Omar Nepkout, Kaouya Ouedrago. Merci Pauline. Pierre Philippe, Xuan Kien Fung, Arnaud Pilon, Thomas Pires, Noualia Zekourk, Dylan Slavik, Théon Tanabalansingam, je suis arrivé, Lucas Tourner, et quelques absents et absentes, Nolwenn Ahé, Corentin Alves Magalaes, Yannick Auger, Rémi Bernard, Déborah Cardozo da Silva, Marine Schricki, Manon Courtin, Virgile de Crouy, Antoine Fafélix, Jao Pedro Garla, Bianca Yasmine Crot, Emma Lundine, Amanda Martins Fahé, Sarah Nodan, Yana Desela dans ses départements, Elveraldo Junior, Pedro Zoriter, Madison Pourprix, Benjamin Sendra, Jao Paolo Takao Silva, Anna Luisa Sotis, Sidi Mohamed Zuber. Bravo. C'est bon, Gilles, il faut les faire... Il arrive, le photographe arrive, ne partez pas. Essayez de vous serrer un peu parce que ça va être chaud. Et avancez aussi sur la scène. Jusqu'aux croix, rose. Voilà, stop. La photo est faite, c'est bon? Alors, ah, bougez pas. Et le major, la majorée. Kaouya Ouedrago, est-ce qu'elle est là? Ouais. Super, bravo. Je vais quand même citer une personne qui n'est pas là et qui a eu son diplôme par la voie de la VAE, validation des acquis de l'expérience. Donc c'est une personne qui a eu un parcours remarquable dans l'industrie et dont on a imaginé qu'elle aurait pu avoir le diplôme de l'école des mines d'Alès. Voilà, bravo à elle.
Voilà, et je cite Vincent Prost, un enseignant de l'école qui l'a accompagné dans cette VAE. C'est du travail. Bien, merci. Alors, ah oui, Viviana qui est parmi nous, c'est Viviana Nakarato. Bravo. Bien, ok. Ben, on va vous demander de nous laisser. Et bonne réussite à tous et à tous. Je passe la parole à Rémi. Donc, vous l'avez compris, Rémi, pour le moment, est chargé des intermèdes musicaux. Pendant que nos élèves quittent la scène, je vous invite à partager aussi encore un moment d'intermède musical sur Viva la Vida, qui est le second single du quatrième album studio du groupe de rock alternatif britannique Coldplay, qui est sorti en 2008. Il s'agit du plus grand succès de Coldplay, numéro 1 aux USA et au Royaume-Uni. La chanson très pop a reçu le Grammy Award de la meilleure prestation d'un groupe et a été classée 70e meilleure chanson britannique de tous les temps par XFM en 2010. Voici Viva la Vida de Coldplay sur un arrangement galopant et entraînant de Tim Waters. Bien, nous allons pouvoir poursuivre cette cérémonie et passer maintenant à nos trois formations d'ingénieurs par la voie de l'apprentissage. Donc, quelques mots à vous dire aussi avant de démarrer l'égrenage des noms. Donc, ces formations sont construites sur des spécialités bien identifiées, amenant leurs élèves à une forte expertise développée conjointement par les enseignements
suivi, mais aussi par l'ensemble des missions et activités réalisées en entreprise tout au long des 3 années de formation. Sur la base d'alternance d'un mois au sein de l'école suivie d'un mois de présence en entreprise, ces formations permettent d'allier la pratique en situation réelle à la théorie acquise et développée au sein de l'école. Les promotions dont nous célébrons la diplomation aujourd'hui nous ont rejoints en septembre 2019. Ces élèves ont été fortement touchés par les différentes vagues de la pandémie et les restrictions sanitaires qui ont dû être appliquées. Des cours basculés en distanciel, puis en mode hybride, une découverte parfois imposée du télétravail, puisqu'ils étaient salariés, des mobilités à l'étranger annulées, des activités extrascolaires ou associatives parfois entravées, mais qui ont su tous rebondir avec beaucoup de solidarité. C'est pour moi l'occasion d'adresser mes remerciements d'une part à chacun de mes collègues, enseignants ou administratifs, qui a formé ou accompagné au quotidien nos élèves dans des conditions parfois difficiles et qui n'a jamais faibli dans son engagement. Mes remerciements vont aussi aux entreprises d'accueil et aux maîtres d'apprentissage qui ont été les employeurs de nos apprentis ingénieurs et qui se sont mobilisés pour proposer des missions dans lesquelles ils ont pu évoluer et acquérir les compétences de l'ingénieur. Enfin, ce sont des félicitations que je souhaite adresser à tous nos déjà anciens élèves qui ont su s'adapter aux conditions traversées, se mobiliser à nos côtés pour poursuivre avec profit leur formation et devenir des ingénieurs qui sauront porter haut et fort les couleurs et les valeurs de l'école. Nous allons pouvoir passer à l'appel des élèves de chacune des spécialités. Sur la spécialité bâtiment, le nom est simple, clair et explicite. Nos ingénieurs bâtiment IMT Minales sont des ingénieurs spécialistes du bâtiment durable, tout corps d'État, avec de fortes compétences développées en ossature des bâtiments, qu'elles soient en béton armé, en matériaux bois ou métalliques, en énergétique des bâtiments et autour de l'usage des matériaux naturels. On peut les appeler. Allons-y. Robin Albertini, Victoria Arvis, Romain Barthes, Osgur Bass, Bertrand Ben, Lucas Benon, Hugo Bourrelli, Tom Boyer, Fanny Broche, Romain Catelin, Louis Conraire, Grégoire Couriol, Arthur Darroca, Lucas Dardon, Clément Delmas, Léon Daubigny, Grégoire Dugavialis, Guillaume Dumaine, Victor Dupuis, Thomas Fayard, Benoît Fronsac, Vincent Jourdan, Alexandre Loquet, Alan Margeridou, Marion Marsaglia, Cynthia Mosengo, Guillaume Pavi, Fanny Pécastin, Elisa Pinon, Léa Rachedi, Mathilde Rastel, Ryan Rinan, Benoît Saspituri, Théo Seban, Paloma Thézé, Anaïs Taupin, Thomas Tria, Julie Trois-Vallées, Léa Védrine, Paul Vinchon, Antoine Duroski, Lydia Yarégal. Et comme précédemment, quelques diplômés n'ont pas pu être avec nous aujourd'hui. Cyril Douin, Antoine Fournier de Laurière, Méran Garbi, Robin Guiraud, Léa Maguer, Dylan Mendez dos Reyes, Arnaud Ruffier, Lucas Viala. Donc, c'est le moment de vous resserrer. Est-ce que c'est bon pour la photo? Allez, cherchez le photographe, il est dans la salle.
Parfait, merci beaucoup. Et donc, le major de promo est... Léon Daubigny. Léon Daubigny. Nous devons avoir au bout de l'allée sans doute Marie. Où est-elle, Marie? Voilà. Donc Marie Salgue, qui est la responsable de la filière apprentissage bâtiment au sein du département génie civil bâtiment durable. Parfait, merci beaucoup. Les photos, c'est bon? Eh bien, je vous invite à quitter la scène. Merci. Comme vous voyez, nous avons des départements qui sont très bien remplis, que ce soit par nos élèves en statut étudiant ou en statut d'apprenti. Bien, nous allons pouvoir passer à la deuxième spécialité, informatique et réseau, qui propose deux parcours qui sont inscrits dans les enjeux de la transition numérique et de la sécurité. Nos ingénieurs informatique et réseau d'IMT Minales s'adaptent aux nouveaux enjeux du domaine informatique induits par l'interconnexion entre les aspects logiciels et système architecture, et par les besoins accrus en sécurité des systèmes numériques. Et nous proposons dans cette spécialité deux parcours qui se différencient assez rapidement, un parcours système et réseau et un parcours développement logiciel. Nous pouvons les accueillir. Parfait, allez, mettons-les à l'honneur. Marion N, Thomas Beuglin, Antonin Boinega, Léon Bousquet-Pasturel, Alex Broussard, Damien Carrier, Gaspard Coulet, Dylan Dauteville, Adrien Deconinck, Lucas Destaya, Papé Mendeba Diaye, Arthur Ducas, Alexandre Dupuis-Labouré, Mathis Enjolras, Thomas Escoffier, Aloïs Costelet, Michael Lamour, Bastien Lastéry, Vincent Letourmi, Yaël Misséry, Sébastien Maurice, Manon Ostrianine, Florentin Perrier, Pierre Rimbaud, Evie Raoul, Louise Robert, Mehdi Saadi, Benjamin Sabi, David Sambuc, Théo Sarda, Clément Savino, Olivier Stéphane, Lojaki Visitidet, Sarah Woodman, Samira Younesi, et quelques élèves diplômés qui n'ont pas pu nous rejoindre aujourd'hui, Rokaya Jennifer Ba, Victor Breton, Tanguy Cadieux, Audrey Deveau, Florian Girardin, Kevin Pérez et Alexandre Sonnet. Alors, est-ce qu'il faut les rassembler un petit peu pour la photo ou ça passe? C'est bon, parfait. Donc, ces élèves ont été accompagnés sur scène par leur responsable Yann Mouret, à mes côtés, accompagnés de Catherine Lecompère, qui est l'assistante de ce parcours et qui supporte au sens premier et second, des fois, tous nos élèves au quotidien. Et donc, nous allons découvrir qui est le ou la major. Le major... Thomas Beuglin.
Merci beaucoup. Si les photos officielles et familiales sont terminées, je vous invite à quitter la scène à l'opposé de votre entrée. Allez, merci. Et nous allons pouvoir accueillir notre troisième spécialité, mécatronique. Quelques mots là aussi. Alors, mécatronique, qu'est-ce que c'est ? C'est une démarche d'intégration en synergie de la mécanique, de l'électronique, de l'informatique et de l'automatique qui permet de concevoir et de fabriquer un produit en vue d'augmenter ou d'optimiser ses fonctionnalités. Et donc, l'approche spécifique que l'on a dans notre formation, ingénieur mécatronique IMT Vignalès, c'est de mettre en place une approche système et une résolution interdisciplinaire des problèmes techniques, managériaux ou organisationnels pour concevoir, produire, faire évoluer ou exploiter des systèmes mécaniques complexes. Nous pouvons les accueillir. Voilà nos élèves qui nous rejoignent, particulièrement bien accompagnés à la fois par Jean-Samuel Viénin, responsable du département, Laetitia Cambon, responsable de la filière apprentissage au sein de ce département, voilà, qui veille sur eux et s'assure qu'ils soient bien placés. J'espère que je n'oublie personne au bout. Si Christine Turc est avec nous, qui est l'assistante du département aussi. Parfait, merci beaucoup. Allez, nous allons les mettre à l'honneur. Léa Bernard, Baptiste Bochet-Cadet, Hugo Boilam, Soukaina Boukana, Augustin Bribé, Jérémy Charlie Desroches, Solène Fernandez, Léa Fourcroy, Jules Fulconis, Corentin Gagnère, Flavien Gros, Damien S, Maurice Merveille Kayan Bungu, Rodolphe Keller, Morgane Leglan, Joey Lys, Goulven Maguer, Théo Pell, Victor Paré, Renaud Parenin, Benjamin Pléo, Clément Pléo, Robin Populus, Benjamin Pruvot, Quentin Reboul, Margot Ribbe, Alexandre Ribera, Alexis Riotor, Magali Sagnier, Adrien Salaska, Grégoire Venel et quelques diplômés qui n'ont pas pu nous rejoindre aujourd'hui. Marco Boyer, Axel Brandswick, Dorian Clance, Lucas Lemonde, Alexis Marcoux, Léo Michel, Elias Paty et Clément Viala. Photo de groupe. Parfait, merci beaucoup. Et donc, le major de promo est Augustin Bribé. Merci beaucoup. On m'a glissé dans le creux de l'oreille, et vous l'avez constaté tout à l'heure, on a peut-être loupé une série de photos avec le département Prisme. Non ? On m'a dit qu'on les fait passer. Alors on me redit maintenant qu'on les fait par passer. Donc, merci beaucoup. Et je vous invite à quitter la scène.
Bien, j'ai remarqué une chose, c'est que les proches des élèves, enfin, les ingénieurs spécialités sont beaucoup plus dissipés que les ingénieurs généralistes. Mais je ne porte pas de jugement. Alors, bien, ok. Allez, on va faire un autre intermède musical. Donc, après Coldplay, qui a annoncé Rémi, moi, je vais annoncer la place au funk avec Uptown Funk de Mark Ronson, Bruno Mars, arrangé par Jay Bocook, pardon, avec Dorian Noël pour une prestation de Diabolo. Bravo. Allez, on va passer maintenant à d'autres formations que soutient l'école, les formations spécialisées. Pour cela, j'appelle pour le master SIE, voilà, sécurité industrielle et environnement, Cathy Balieu. Pour le master 2EM, environnement, extraction minière, François Manet. Et notre formation internationale, master international damage, sur la gestion de crise, avec Gilles Dussert. C'est parti. Bien, ce sont des étudiants qui sont Bac plus 5, qui ont déjà un diplôme d'ingénieur ou autre, universitaire, et qui viennent de passer une formation de spécialisation à Bac plus 6. Voilà. Allez, on y va. Donc, le master sécurité industrielle et environnement. Donc, Rémi Filbois. Pour
le master en sécurité et environnement. Malheureusement, ils n'ont pas pu venir. Ben, ça, c'est sûr, il n'y a rien qu'un. Il est où, ce contre-toi? Ah, il n'est pas là. Si, il est là. Tu vois? Ouais, ben voilà, ben montre-toi. Alors après, les autres. Nabil Ben Gerbi, Ibrahima Dieng, Oy Tano, Jean-François Tano, Laure Melot, Florian Muki, Martin Zita Kao, Sidi Mohamed, Tala Babi. On les applaudit très fort. Et le major de promo est... Florian Mukli. Bon, qui n'est pas là. Ok, on va passer maintenant à l'autre formation spécialisée. Le Master 2EM, Exploitation et Environnement Minier. Abid Ali. Ah, les supporters. Emmanuel Kamdoum Beya. Virginie Corinne Lacla. Waouh. Ronald Momo Nguetsop. Abdelaziz Oukashbar. Prince Nelson. Merci Pauline. Ouais, on va revenir quand même. Prince Nelson, Touachassi, Tchatong. Bravo. Quelques élèves qui n'ont pas pu venir. Simon Bell, Grégory Clément, Mohamed Diakité, Tierno Amadou Diallo, Arthur Armand, Stephenson Cadio et Linda Nguyen Van Sock. Bravo. Bravo tout le monde. Et le major de promo est... Simon Bell. Il n'est pas là. Ok, ben, tu lui remettras, François. Bien, on va passer maintenant à notre master international. Damage. Allons-y. Fatema et Aza Belal Nasser. Ouais. Livia Paraguasu Santos. Ils ne sont pas tous là. Je vous rappelle que c'est un master international. Tout est enseigné en anglais. Ce sont des élèves internationaux qui viennent nous rejoindre pendant un an. Lamine Fofana, pendant deux ans, pardon. Salim Saloum. Oyem Emmanuel Ubido. Ah. Et la majeure de promo est Livia Paraguasu Santos, qui n'est pas là. Si, elle est là. Linda est là. Livia est là. Non, me semble. Ok, ça marche. Merci. La photo, monsieur le photographe, c'est bon pour toi? Bravo. Bien, j'appelle maintenant pour remettre les diplômes de docteur. Notre directrice, qui actuellement est directrice de la recherche par intérim à l'école, Jackie Momain, le responsable du laboratoire, le Centre d'enseignement et de recherche d'informatique et systèmes, Anne Bergeret pour le Centre des matériaux de l'école des Mines d'Alès, et Miguel Espoes-Ferber pour le Centre de recherche d'environnement et risques. Allons-y. Forme dans ces trois centres de recherche des élèves chercheurs appelés doctorants qui préparent un doctorat en sciences. Depuis 2015, l'école est accréditée à délivrer en propre le diplôme de doctorat au sein de cinq écoles doctorales. La formation dure trois années pendant lesquelles les doctorants, ou aussi appelés thésards, participent à la vie de leur laboratoire d'accueil, que ce soit au niveau des projets de recherche régionaux, nationaux ou européens, ou du travail de publication. Articles présentés dans des conférences nationales, internationales ou dans des revues scientifiques de grande renommée.
Au terme de ces 3 années, ces étudiants soutiennent un mémoire de thèse de haut niveau qui leur confère le diplôme de doctorat. Cette année, 17 docteurs sont diplômés par IMT Minales. Ils sont accompagnés par Anne Bergeret, directrice du centre C2MA, Jackie Monmain, directeur du CERIS, et Miguel López-Ferber, représentant la directrice du CREE. Donc cette année, sont diplômés Nassir Baba Ahmed, Nicolas Bijon, Valentin Carretier, Philippe Lionel Ebengue Atega, Mohamadoula, Hakim Ebrahimi, Quentin Pérez et Amel Chsaki. N'ont pas pu venir à cette cérémonie Marie Brossard, Jérémy Bourdon, David Goutz, Léa Lemeur, Oumar El Farouk, Maman Ilatou, Antoine Fricard, Adrien Gonzalez, Antonin Hamon, Bob Saint-Fleur et Nesrine Salah. On invite nos docteurs à retourner dans les coulisses pour revenir. Donc c'est avec la remise de diplôme de nos docteurs que s'achève cette cérémonie. J'invite Madame Léniaud à me rejoindre sur scène pour la clôture, tandis que nos artistes se préparent en coulisses. IMT Minales est fier de cette nouvelle promotion de nouveaux ingénieurs et ingénieurs, de nouveaux docteurs et docteurs, à qui elle souhaite une brillante et épanouissante carrière. J'adresse mes plus sincères remerciements au personnel qui s'est investi dans l'organisation de cette journée, et ce n'était pas une mince affaire que d'inventer cette nouvelle formule. Merci aux équipes de la direction de la communication, de la direction des études, de la direction des formations par apprentissage, des centres de recherche. Merci aux équipes techniques et à l'équipe de restauration. La réussite de cette manifestation, c'est leur œuvre collective à tous et à toutes. Ils ont été épaulés dans ce défi par tous les artistes que nous avons applaudis, membres du personnel, élèves, que je remercie chaleureusement d'avoir donné beaucoup de leur temps pour mettre au point ces prestations magnifiques. Merci Didier Perrin et les 28 membres de son orchestre. Merci à Géraldine Brunel et les choristes, Ingrid Bazin, les danseurs et les danseuses. Et je pense que nous pouvons les applaudir. Marianne, je vous invite à quelques mots de clôture, s'il vous plaît. Merci Asia, je crois que nous avons passé un bon moment ensemble, un moment qui a réuni près de 1000 personnes. Nous sommes presque 500 dans la salle, plus 350 élèves. On a eu le plaisir d'applaudir chacun d'entre eux. Donc, je crois qu'on se souviendra chacun de ce moment passé ensemble, puisque la réussite d'un diplôme, bien sûr, c'est une réussite individuelle, mais c'est aussi un succès collectif, celui de l'école, de ses élèves, de son corps professoral, de son administration, des entreprises qui soutiennent l'école, des élus du territoire qui soutiennent l'école. Et vous allez maintenant, les élèves vont entrer dans un nouveau collectif, un collectif de travail avec des collègues
de travail, des collectifs familiaux sans doute, des nouveaux collectifs amicaux, de territoires nouveaux en France ou hors de France. Et je crois qu'ils n'oublieront pas ce moment et que je les encourage à garder cet enthousiasme, cette passion qu'on a sentie et aussi ce goût pour les arts. J'étais très impressionnée par cet orchestre qui, je crois, n'a été formé seulement il y a quelques mois. Et donc, ça prouve, on peut les applaudir. Et ça prouve que tout est possible quand on a, un, l'envie, deux, la passion, et trois, l'amour du collectif. Et donc, bravo pour tout cela et très bonne continuation à chacun d'entre vous. Bravo pour l'école. Alors, avant de quitter cette salle, il nous reste deux petites choses. Donc, on va vous proposer un final un peu original. C'est un final choral qui va vous être proposé. La Buena Vida, composée par Ken Reynolds en 2009, est un concentré d'énergie, de rythme latino, autour d'une musique vivante et optimiste. Généralement, les musiciens comme les chanteurs sont animés d'un besoin irrépressible de danser et de chanter. Aussi, laissez-vous porter et entraîner par ce morceau arrangé spécialement par notre chef Didier Perrin pour cette remise des diplômes et en présence de choristes et deux de nos solistes, Lila et Georges. Un petit temps d'installation est nécessaire, une ou deux minutes, et nous allons vous présenter la Buena Vida. Oh.
to celebrate, we're on the winning side. Yeah. It's time to stand up, no one left behind. Yeah. If God is for us, who stands against us? I'm gonna shout, I'm gonna shout, I'm gonna shout. A celebrar, tú vas a ganar. Párate firme, por el que des atrás. Diablos mentirosos, Cristo se exaltado. Yo cantaré, yo cantaré, yo cantaré. Alors, merci de votre présence à tous et à toutes. Je rappelle à nos diplômés qu'ils auront accès à la fin de cette cérémonie au fameux photocall, puisque l'école leur offre la possibilité de garder un souvenir de cette journée à travers différentes photos. Enfin, voici le tout dernier message que l'école et son personnel ont à cœur de transmettre aux nouveaux diplômés et qui sera, à n'en pas douter, partagé par l'ensemble du public. Aussi, j'invite l'ensemble du personnel de l'école, qui est réparti dans les ici, là, à nous rejoindre sur scène. Non, il y en a encore, non ? Oui, il y en a encore. Allez. Tout notre personnel arrive. Et il va falloir envoyer là tout ça. C'est pas seul. Et j'ai pas les chansons. Allez, on va venir avec nous ici.
Excusez-nous. Les paroles sont là. Allez. Je vais demander à la régie de... Ah, encore une petite seconde. Donc on va lancer le petit message qu'on a à dire à tous nos diplômés et ça sera le moment du traditionnel lancer de talk. Allez, on y va la régie. Chemin évite les bombes qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain. Que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien. Puisque l'avenir nous appartient, puisqu'on ne contrôle pas votre destin, que votre rendez-vous demain, comme tout ce qu'on a à vous offrir, serait toujours vous suffire dans cette liberté à venir. Puisqu'on ne sera pas toujours là, comme on le fut au premier pas. On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous appartient. Que vos chemins guident les bombes qui mènent vers le calme jardin. On vous souhaite tout le bonheur du monde et aujourd'hui comme pour demain. Votre soleil éclaircisse l'ombre qui brille d'amour au quotidien. On vous souhaite toute une vie s'offre devant vous, tendre rêve jusqu'au bout, sûrement plein de joie. Rendez-vous libre de faire vos propres choix, de choisir quelle sera votre voie et où celle-ci vous emmènera. J'espère juste que vous prendrez le temps de chaque instant. On vous souhaite tout le bonheur du monde et que chacun prenne la main. Que votre chemin évite les bombes qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde pour aujourd'hui comme pour demain. Que votre soleil éclaircisse l'ombre qu'il brille d'amour au quotidien. Je sais pas quel monde on vous laissera, on fait notre mieux seulement parfois. J'ose espérer que cela suffira, pas à sauver votre insouciance, mais à apaiser notre conscience. Pour le reste, je me dois vous faire confiance. On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main. Que votre chemin évite les bombes qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde pour aujourd'hui comme pour demain. Que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien. On vous souhaite tout le bonheur. Allez, allez, allez. Oh oui, tout le bonheur du monde, que votre
chemin est vif et bon, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde. Vive l'IAT! Merci, merci. Merci tout le monde.